Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Dans cette vidéo, nous allons voir une stratégie, une de mes nombreuses stratégies, une stratégie particulière. Vous me l'avez demandé, certains de mes abonnés, beaucoup en tout cas de mes abonnés qui s'intéressent au trading, me l'ont demandé. C'est fait aujourd'hui, je suis heureux, je suis content. Je suis gentil, donc je vous donne une stratégie. Je vous mets à disposition ma stratégie pour scalper les annonces économiques. Comment faire du scalping sur les annonces économiques? Alors, déjà, il faut savoir que le scalping n'est pas fait pour tout le monde. Parmi les stratégies de trading, c'est le plus risqué. Et quand un débutant commence, il faut qu'il commence par du swing, après de l'intra, après du scalping. Le scalping, c'est pour des gens assez expérimentés. Et donc, moi, je vous conseille deux choses. Déjà, de tester cette stratégie en démo. Deuxièmement, si vous voulez le tester sur un compte réel, créez un compte pour le scalping à part. D'accord? Mettez un peu d'argent dessus, peut-être 5% de votre capital. Vous dites, ben, si je perds, ce n'est pas grave. D'accord? Donc, investissez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Donc, n'allez pas tout miser sur votre compte principal, en fait. Voilà, c'est dit. Parce que, en fait, le scalping exige aussi beaucoup d'émotions. Ça exige que vous soyez présent devant les marchés, que vous preniez rapidement des décisions, que les décisions soient des décisions les meilleures décisions, que vous coupez rapidement vos pertes, que vous laissez courir vos gains ou que vous les coupez rapidement. Donc, vous allez chercher des objectifs très petits, 5, 10 pips maximum par trade. D'accord? Donc, ça nécessite aussi d'augmenter, de prendre des lots importants pour pouvoir vous en sortir. Et c'est le style de trading qui va vous faire tomber plus facilement dans l'overtrading. Voilà, donc vous aurez l'impression, vous allez vouloir trader tout le temps parce que vous allez vous dire, voilà, il faut que je trade tout le temps pour être toujours compétitif. Voilà, alors que ce n'est pas toujours ça. Faire du scalping n'est pas forcément trader, appuyer sur la gâchette, tirer sur tout ce qui bouge. Faire du scalping, c'est d'abord attendre des setups, des configurations qui respectent notre plan, notre stratégie et après de dégainer. Moi, il m'arrive pendant des semaines, voire un mois, de ne pas du tout trader parce que je n'ai pas des configurations qui respectent mon plan. Ça ne veut pas dire que je suis trader, je ne suis pas trader. Ça veut simplement dire que je suis discipliné. D'accord? Voilà. Donc, je vais vous parler de comment scalper les annonces économiques, comment trader, faire du scalping lorsque les annonces économiques sortent. Alors, les conditions pour que cette stratégie, les conditions pour que ce setup marche, c'est que l'annonce économique que vous voulez trader doit être une annonce à fort impact. D'accord? Donc, moi, je trade dans cette stratégie-là, je trade uniquement le NFP, les CPI, donc Consumer Price Index, je trade les GDP. Et j'ai trade le NFP, donc l'annonce sur le chômage et les taux d'intérêt. Donc, c'est beaucoup plus ces annonces-là que je trade avec cette stratégie. Et donc, moi, qu'est-ce que je vous conseille? Je vous conseille tout simplement de trader. La première condition, c'est que vous devez trader des annonces à fort impact, donc notamment ces différentes annonces-là. Alors, je vais vous montrer, donc par exemple, si vous allez sur Investing, ce sont les annonces à trois têtes uniquement. Ou quand vous êtes sur Forex Factory, d'accord, quand vous êtes sur Forex Factory, ça sera des annonces uniquement en rouge. D'accord? Donc, vous devez comprendre ça. Donc, la première chose, c'est que vous devez trader des annonces à fort impact. Ensuite, la deuxième condition, c'est que pour les annonces concernant le dollar US, moi, je trade EURUSD. UJ, donc USDJPY et USDCAD. Pour les annonces concernant la live selling, donc le GBP, je trade uniquement le GBP-USD. Pour les annonces concernant le dollar canadien, il faut trader uniquement USDCAD. Pour les annonces concernant le yen japonais, il faut trader uniquement UJ, USDJPY.
pour les news concernant l'euro, pour trader uniquement euro-USD, d'accord? Pour les news concernant AUD, donc dollar australien, il faut trader AUD-USD. Pour les news concernant le franc suisse, il faut trader USDCHF, d'accord? Et pour les news concernant le dollar néo-zélandais, NZD, il faut trader NZD-USD. D'accord? Voilà la deuxième condition. La troisième condition, c'est que le timing est primordial. Donc, 3 minutes avant l'annonce de la news, c'est-à-dire que 3 minutes avant que la news ne sorte, 3 minutes avant l'annonce, exactement, vous allez sur le calendrier, par exemple, vous allez sur le calendrier économique, d'accord? Vous allez sur le calendrier économique, 3 minutes avant l'annonce, vous avez ici, si vous êtes sur Investing, par exemple, ici, ça va vous dire 2 minutes, 3 minutes avant, ça va vous afficher ça. Et donc, troisième condition, c'est que 3 minutes avant la news, vous devez placer vos ordres. Donc, c'est une méthode qui marche avec des ordres en attente. Il faut placer des ordres en attente, des buy stop et des sell stop, pas des buy limit et des sell limit, des buy stop et des sell stop. Donc, le timing est très, très, très important. Donc, à partir du moment où le timing est primordial et très important, vous devez placer des ordres différés. Les ordres différés sont placés 3 minutes avant l'annonce. Donc, les ordres d'achat et de vente font se placer à 12 pips du prix en cours. Donc, le prix en cours, 3 minutes avant l'annonce, vous allez placer votre ordre à 12 pips du prix en cours 3 minutes avant. D'accord? Et donc, vous allez placer votre sell stop et votre buy stop à 12 pips du prix en cours 3 minutes avant la sortie de la news. Lorsque vous êtes sur des paires liées au GBP, à la livre sterling, vous allez plutôt placer à 16 pips. D'accord? Toutes les paires qui ne sont pas GBP, vous les placez à 12 pips, mais toutes les paires qui ont le GBP à l'intérieur, vous les placez à 16 pips. D'accord? Et vous placez le stop loss au prix en cours. D'accord? Donc, vous prenez le prix en cours, vous placez votre sell stop et votre buy stop à 12 pips. Et pour les deux positions, tous les deux ordres en attente, vous placez le stop loss au prix en cours. D'accord? Donc, c'est un peu un schéma comme ceci. 3 minutes avant l'annonce, vous avez le prix là, d'accord? Donc, le prix, par exemple, c'est à, je prends Euro USD, comme ça, c'est à 1,1050, d'accord? Donc, par rapport à ce prix-là, vous placez votre buy stop là, le prix en cours, 12 pips, c'est ça. Le sell stop, 12 pips aussi, c'est ça. Et votre stop pour le buy stop, le stop loss sera ici au prix d'entrée. Pour le sell stop, le stop loss sera ici au prix d'entrée. Donc, 3 minutes avant l'annonce, vous positionnez votre buy stop, votre sell stop et vos deux stop loss comme ceci. D'accord? Donc, la règle d'entrée, c'est que vous devez trader en unité de temps 1 minute, en M1. Dès que la news sort, vous voulez un mouvement violent et rapide. Nous cherchons des mouvements violents et rapides. Donc, dès que la news sort et qu'un ordre est activé, on annule immédiatement l'autre. Donc, si c'est le buy stop qui est activé, vous annulez automatiquement le sell stop. Si c'est le sell stop qui est activé, vous annulez automatiquement le buy stop. Si aucun ordre n'est activé dans les 10 secondes qui suivent la sortie de l'annonce, vous annulez les deux ordres. D'accord? Donc, si aucun des deux ordres n'est activé dans les 10 secondes qui suivent la sortie de l'annonce, vous annulez les deux ordres. Cas rare qui peut arriver, c'est qu'il se peut que les deux ordres, c'est-à-dire dès que la news sort, les deux ordres soient activés très vite, très rapidement. D'accord? Donc, quand les deux ordres sont activés très rapidement, c'est des cas qui peuvent arriver. Donc, vous pouvez vous prendre deux stops en même temps, ça vous fera 24 pips. D'accord? Ce n'est pas assez
enfin, c'est pas élevé. Maintenant, si vous avez de gros volumes dessus, naturellement, ça peut sembler être élevé. D'accord? Donc, CARA, c'est que les deux zones peuvent être activées en même temps. D'accord? Alors, soyez préparés à ça. L'autre cas qui peut arriver, rare aussi, c'est que dès que la news sort, la news peut créer un gap. Donc, un gap peut vous faire entrer en position plus loin que votre ordre différé que vous avez placé. Donc, dans ce cas de figure, il faudra très vite rapprocher votre stop loss à 12 ou 16 pips du point d'entrée pour garder un risk ratio de 1 pour 2. 60 secondes après l'annonce, coupez toutes vos positions. Donc, vous avez deux options. Lorsque l'annonce sort et nous, on cherche un mouvement violent et rapide et un ordre est activé, vous coupez l'autre ordre, comme on a dit. Et 60 secondes après que l'ordre soit activé, soit vous coupez l'ordre ou vous rapprochez agressivement votre stop loss. Donc, vous mettez votre stop loss à BE, vous verrouillez une partie. Si, par exemple, vous êtes porté par la tendance, vous êtes dans le sens de la tendance, vous pouvez verrouiller, par exemple, 25% et laisser son 15% continuer. Si vous êtes à compte tendance, vous pouvez verrouiller 50%, voire 75% et laisser 25% continuer. D'accord? C'est à vous de voir. Donc, vous pouvez couper le trade ou rapprocher le stop loss agressivement et mettre à BE et verrouiller une partie de votre gain. D'accord? Quelques filtres que je vais ajouter quand même. C'est une stratégie à ne pas appliquer si votre connexion Internet n'est pas stable. Donc, il ne faut pas appliquer ça quand vous êtes sur un Wi-Fi ou une connexion Internet filaire et s'il y a une coupure Internet, vous êtes mort en fait. Donc, même si vous êtes sous Wi-Fi, il faut toujours avoir de la connexion. Il faut toujours avoir de la connexion Internet sur votre portable à côté pour pouvoir pallier en cas de caisse cilière. Vous n'êtes pas sur H4, par exemple, où vous avez tout votre temps pour pouvoir prendre des trades. Non, vous n'êtes pas dans ce cas de figure-là où vous avez 4 heures pour prendre une décision. Non, ici, vous êtes dans un contexte où vous devez rapidement prendre une décision. Donc, ne pas pratiquer quand votre connexion Internet n'est pas stable. Deuxièmement, il faut pratiquer cette stratégie avec des brokers qui vous offrent des spreads faibles sur les pertes de devises. Donc, le spread de votre broker doit être hyper faible sur la perte de devises ou l'actif que vous traitez. La distance sur les autres différés doit être de 12 pips. Ça, je l'ai dit, sauf les paires en GBP, en livre sterling, où vous devez prendre une distance de 16 pips par rapport au point d'entrée. OK? Alors, je finis par cet exemple-là. Voilà un peu un cas, d'accord? Donc, 3 minutes avant la news, le prix était à 14,170. Alors, j'ai pris USDA parce que c'est une paire exotique et c'est une paire hyper volatile. Donc, je l'aime bien, d'accord? Et puis, bon, le broker chez qui je suis ne me facture pas des fortunes, OK? Donc, la news, le prix était à 14,70-94. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? Je place mon buy stop à 12 pips ici. D'accord? Et mon sell stop à 12 pips là. Le buy stop, le stop loss du buy stop est ici et le stop loss du sell stop est là. Enfin, est au prix d'entrée. Donc, les stop loss des deux positions en attente sont ici. D'accord? 3 minutes avant la news. Et qu'est-ce que je fais? J'attends. Dès que la news sort, alors j'ai pris USDA, c'est juste un exemple. Alors, je ne vous dis pas d'aller faire ça sur USDA. Je l'ai expliqué, les paires sur lesquelles il faut le faire, je l'ai expliqué dans la vidéo. Dès que la news sort, qu'est-ce qu'on constate? Il y a une envolée vers le bas. D'accord? Et qu'est-ce que je ferai automatiquement? Je vais couper le buy stop parce que je vois que le sell stop est déclenché. Donc, je vais couper mon buy stop. Déplacer le stop loss agressivement au point d'entrée, verrouiller une partie de mes gains et laisser courir. L'autre option qui peut s'avérer, parce que des fois, un scalping peut devenir un trade de scalping peut devenir un trade intraday ou swing. Même moi, ça m'est déjà arrivé quelques
rarement, mais ça m'est déjà arrivé où je cherchais 10 pips, je me suis retrouvé à faire du 150 pips, on fait tout du 200 pips. Voilà. D'accord. Donc, si vous avez ce genre de chance, vous êtes dans la tendance bingo, le jackpot est pour vous. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous avez? Dès que ça sort, vous verrouillez. Alors, une autre option, c'est que vous pouvez placer des stops. Donc, par exemple, vous avez, pardon, vous pouvez placer des take profit. Vous avez comme stop, voilà, je vous avais comme stop, par exemple, 12 pips. Vous pouvez placer un stop de 24 pips. Pardon, un TP de 24 pips ici, un TP de 24 pips pour le buy stop. Donc, vous avez un ratio de 1 pour 2. Le risque, c'est que si votre trade va au-delà du stop loss, vous n'allez pas bénéficier de tout le trade. D'accord? Mais c'est pas, en même temps, c'est pas grave parce que vous cherchez un objectif précis. On n'est pas là pour prendre toute une tendance, on est là pour prendre juste la partie qu'on peut prendre. D'accord? Voilà. Donc voilà la méthode. J'espère que c'est clair pour tout le monde. J'espère avoir été assez clair, assez pédagogue, assez explicatif. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. D'accord? Et je me ferai un plaisir de vous répondre dès que j'aurai le temps où je verrai vos commentaires. Merci beaucoup. Rendez-vous dans la vidéo prochaine, dans la méthode prochaine. Ciao.